mais où suis-je? Où suis-je? Tu es dans un rêve. Tu dors. Ah, d'accord, mais c'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux alors si c'est mon rêve? Oui, tu peux. Eh bien, si on faisait une vidéo un peu sur les collecteurs de mes rêves. Bon, on lance quand même le générique. Alors, puisqu'on se retrouve dans mon rêve, eh ben, je vais faire une vidéo sur tous les collecteurs de mes rêves que je n'ai pas dans ma collection. Allez, je vais penser à un collecteur super que je n'ai pas dans la collection. Attention! Oh, mais oui, mais c'est génial ce truc! C'est le pain qui a été vendu à MD Friends en 1999. Il y a plusieurs saveurs différentes. Celui-ci, c'est le strawberry, donc fraise. C'est vraiment très très fort. Regardez-moi un peu. Michael Kahn, très très fort. Impossible à trouver de nos jours. Prix estimatif, environ 150 euros. Et oui, je fais ce que je veux, c'est mon rêve, personne ne me voit. Attention, je vais faire apparaître un nouveau collector. Oh, mais c'est trop fort ce truc aussi! Le sac banane MJ Production qui avait été présenté dans Collector à l'époque dans Black and White. Vraiment encore un produit impossible à trouver de nos jours. Pareil, prix estimatif, une centaine d'euros. Ah mais oui, ça me fait penser, il y a aussi un super autre collector que j'ai toujours rêvé d'avoir mais j'ai jamais vu nulle part. Attention! Oh, mais c'est génial! Le panier de basket Jam! Incroyable, impossible à trouver. C'est un panier promotionnel, vraiment super joli. Mais je me souviens, il y avait aussi un ballon à l'époque avec le panier, non? Je crois bien. Ah bah oui, il y avait un ballon. Donc franchement, encore deux collecteurs impossibles à avoir aujourd'hui. Prix estimatif pour l'ensemble, environ 200 euros. Ah mais qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre aussi dans mon rêve? Ah oui, en ce moment, j'ai commencé une petite collection Towa. Et il y a un petit porte-cartes téléphonique que je n'ai pas encore dans ma collection. Il est vraiment très très fort, le porte-cartes Moonwalker avec à l'intérieur trois cartes téléphoniques japonaises, vraiment impossible à trouver. Prix estimatif, une centaine d'euros. Oh, et si on restait au Japon avec cette superbe montre promotionnelle pour le Bat Tour japonais, vraiment trop fort. J'adore ce logo Japan Tour 88, c'est vraiment très très fort, impossible à trouver. Prix estimatif, environ 100 euros. Oh, mais en parlant du Japon, il y a aussi un truc génial que j'aimerais bien avoir un jour. C'est le sac pour la tournée japonaise Japan Tour 87, vraiment très très fort. En plus, il est plastifié, comme ça il peut rester en bon état, on ne le déchire pas. Vraiment impossible à trouver de nos jours. Prix estimatif, environ 150 euros. Oh, mais encore un collector assez sympa de Taïwan que j'aurais bien trouvé une fois, mais alors c'est très très compliqué. Mais oui, il s'agit du coffret This Is It taïwanais avec eh bien, la scène de This Is It qui se déplie comme ça en carton. C'est vraiment très très fort. Impossible à trouver de nos jours, surtout dans un bon état. Prix estimatif, environ 100 euros. Ah oui, un de ces quatre, j'aimerais bien aussi me faire toute une collection autour du Victory Tour. Comme par exemple, ce superbe suite pour le Victory Tour. Incroyable, regardez un peu les belles couleurs, le beau logo. Et à l'arrière, le superbe logo Victory, vraiment très très fort. Encore un produit impossible à trouver. Prix estimatif, environ 150 euros. Oh, mais il y a aussi ce vidéo Dix Baby incroyable, impossible à trouver, qui est sorti en 97. Je me souviens à l'époque, Michael avait fait une vidéo promotionnelle pour promouvoir ce lecteur de DVD. Vraiment très très sympa, impossible à trouver encore dans sa boîte d'origine. Prix estimatif, environ 500 euros. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, c'est fabuleux quand on est dans son rêve, on fait tout ce qu'on veut. Oh là là, c'est comme cette fameuse pièce en argent du Bat Tour. Ah, si je pouvais l'avoir. Oh oui, si je pouvais l'avoir, je sens qu'elle va arriver. Oh mais oui, elle est là. Oh mais c'est incroyable. Oh là là, regardez-moi un peu cette belle pièce commémorative. J'en fais tomber la carte qui va avec. Oh là là, franchement, j'adore cette pièce en argent véritable, en argent vraiment massif. Présenté dans une petite boîte collector, c'est vraiment incroyable. Un petit fascicule aussi accompagne cette pièce. Prix estimatif, environ 300 euros. Bon allez, je sens que c'est l'heure de se réveiller bientôt. Le rêve est bientôt terminé. Mais allez, je vais me faire un petit dernier collector pour la route. Vraiment un collector qui me fait rêver depuis des années. Vous le savez, je cherche partout, mais je ne l'ai toujours pas. Attention. La voiture Moonwalker, ça y est, je l'ai enfin dans les mains, c'est incroyable. Comme vous le savez, ce collector me fait rêver, c'est vraiment incroyable. J'ai cherché ce collector toute ma vie et je l'ai enfin dans mes mains, c'est incroyable. Mais je pense que je n'aurai jamais les moyens de me payer cette voiture, c'est vraiment incroyable. Donc cette voiture est sortie en Allemagne promotionnellement, donc interdite à la vente.
vraiment, je pense qu'elle a été donnée à certaines personnes et qu'elle a fini dans les collections de jouets de certains enfants qui ont tout déchiré, qui ont tout cassé. C'est vraiment incroyable de l'avoir en vrai comme ça devant soi. Prix estimatif pour cette voiture, environ 1 500 €. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Bon, et maintenant, retour à la vie réelle. Je vous dis à bientôt. Salut! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais réveille-toi! Écoute, ça fait une heure, tu fais n'importe quoi dans la maison, là. Ah bon? Mais oui! Je faisais un super rêve! Mais il est 3 h du matin! Tu me fatigues! Je vais me coucher!